C'est la première fois que j'utilise ce côté de caméra pour une vidéo. Bon, je sais que du coup, dans les commentaires, ça va donner des confrontations super intéressantes du style team côté droit du bureau et team côté gauche du bureau. Bon, faut savoir que toutes ces fioritures, on s'en bat les couilles. Et là, en regardant un petit peu ce qu'il y a derrière, tu vas te demander ce que ça c'est. Alors ça, en fait, c'est le simili carreau de verre que j'ai sur ma fenêtre pour pouvoir l'enlever l'été et mettre ma clim quand il fait chaud. Mais résultat, vu que c'est une vieille plaque de merde, avec si tu regardes dans le trou... Non, vous voulez voir ce qu'il y a dans le trou? Ah, c'est absolument honteux. Oui, il y a le tome 26 de Naruto et le dernier de DBZ également. Résultat, avec une isolation d'aussi bonne qualité, l'hiver, il y a un petit vent super agréable qui passe. J'ai l'impression de faire j'irai dormir chez vous ou d'être un zadiste. Hein, c'est génial. Bon, faut pas trop que je parle. Devant vous, vous avez un bonhomme qui s'est repris à trois fois pour se vider le trou de balle avant de faire cette vidéo. Dédicace à ceux qui la regarderont directement à la sortie, peut-être même en mangeant. Avec un repas, sait-on jamais quoi? De la ratatouille, hein? La ratatouille, j'ai balancé ça là il y a 10 minutes. Mais là j'ai la santé qui est pas au top, je le sens dans mes entrailles. D'ailleurs en parlant de santé, loin de moi l'idée de faire des vannes sur un sujet important, ou en tout cas grave. Mais j'ai vu des articles en ce moment qui disent que les gens qui vont en réanimation avec le Covid, c'est souvent des gens en surpoids. Bon, j'avoue, j'ai eu chaud. J'avoue, j'ai transpiré un petit peu. Parce que c'est un petit peu comme dans Pokémon, tu vois, le Covid, j'ai en quelque sorte une force face à lui, c'est que je suis jeune. Je viens d'avoir 25 ans, c'est relativement encore jeune. Malheureusement, j'ai quand même une faiblesse, à savoir que je suis gros. Donc cette information m'a... Et je pense pas être le seul larron du village qui a eu un petit peu chaud. Donc déconfinement 11 mai, on va quand même essayer de faire attention une fois qu'on sortira. Hein. D'ailleurs, il y a Activision qui ont sorti un nouveau mode pour nous faire attendre. Il y a une semaine, il y avait du coup la saison 3 qui est sortie. Et là, voici un nouveau mode sur Warzone, qui est bien sûr en équipe, mais on va aller jouer tout seul parce qu'on est des grosses couilles. Armes et lunettes en pagaille. Bon, c'est-à-dire un mode avec un fusil à pompe, que des fusils à pompe et des snipers. Il y a également mode en BR en quatuor, en solo et pillage en quatuor. Bon, ça on leur en veut pas, faut bien qu'ils essayent de croire qu'il y a quelqu'un qui joue sur leur mode pillage de merde. Dans les bureaux d'Activision. Et Denis, je regardais là comme ça les stats de joueurs Warzone, et je crois que c'est un petit peu bugué en pillage là, je vois personne sur les serveurs, c'est normal. Ouais, c'est un bug, on va régler ça. Denis se fit virer peu après pour mensonge à son supérieur. Allez, à terre la racaille, on commence gentiment, d'accord? Bon, forcément, hein, je sais qu'en vannant comme ça et en disant qu'il n'y a personne qui joue au mode pillage ou je sais pas quoi là, il y aura forcément des types qui vont me dire « Mais non, moi je joue 10 heures par jour, j'adore !» Alors forcément, c'est un petit peu la contradiction qui s'y met. Hein. C'est comme sur Netflix, hein, quand ils ont annoncé les rats et les zinzins de l'espace, tout le monde a fait genre que « Oh là là, trop bien, on va retrouver les rats, j'adorais trop dans mon enfance !» Puis absolument personne a regardé plus de 5 minutes parce qu'on n'est plus des gamins. J'ai eu peur, sa mère. Toi. Hein? On revient? On revient alors qu'on s'est fait tuer une première fois? Hein? Alors comme ça, on vient voir Zach? Bon, ça m'étonnerait pas qu'il y ait son pote qui vienne essayer de revenge Denis, là. Oh! C'est la mine qui l'a tué, non! Un vol de kill, salace! C'est moi qui ai fait les dégâts et c'est la mine qui l'a buté. Je me sens volé! Attention! Non! Ils étaient deux! Je pensais que la clé mort ferait le taf! Bon, Goulag, vous connaissez la règle. Allez, tard plus, Denis! Bon, allez, on va aller dans ce crapière. Oh, regardez! Il y a quelqu'un juste là. Qui est également retombé. Oh! Oh là 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 là, je suis dans la merde. Oh! J'ai galéré à le tuer, c'est horrible. J'ai pas de munitions. C'est la merde. Y'a ses potes! Ah! Ah, ils sont trop nuls! Ah, ils sont trop nuls! Je l'ai mis à terre! Ah, qu'est-ce qu'ils sont nazes!
Hello guys. Bon du coup j'ai fait la suite de la vidéo le lendemain matin. Et en plus j'ai fait remplir. Non pas que j'ai envie de me faire remplir comme un gros bad boat qui est une spécialité marocaine qu'on remplit de viande. Mais plutôt parce que jouer tout seul, on va pas se le cacher, c'est un petit peu chaud contre des équipes. Hein. Aussi bon que je sois, ça peut être un petit peu compliqué par moment. Ah, j'avoue, hier soir, j'ai taquiné un petit peu le mode pillage. Hein. Je sais que quand je vais dire ça, il y a certaines personnes qui vont réagir directement et qui vont me dire « Mais non, Zach, moi je joue en mode pillage, j'adore !» Ça déchaîne les passions, comme hier. Hier, sur mon stream, j'ai fait quoi? J'ai fait une tier list des villes de France. Une tier list des villes de France. Quelle erreur! Bon alors, j'avoue, c'était pas vraiment une erreur, parce qu'on s'est bien marré. C'est juste que disons que quoi, j'ai jamais vraiment eu un tweet qui a déjà donné 1200 réponses, quoi. 1200 réponses, mon frère, chacun défendait son pain. Je vais refaire une tier list, je vais mettre toutes les villes de France en élite, tu vois. Histoire de ne froisser personne. Non, en plus, c'est Léo. Wouh! Aïe! Let's go! Le teamwork! Aneta, qu'est-ce que tu... Non ! Aneta, qu'est-ce que tu branles là ? Aneta, elle a vu... Allez, monsieur ! Aneta, elle a vu que j'ai vanné Clermont, elle l'a mal pris. Oui, parce que moi, dans les villes que j'ai mis, dans les villes que je ne considérais pas comme excellentes, j'ai mis Clermont. Rien contre mes Clermont 3, c'est toi sûr, hein. Je suis juste pas super fan de chez vous. Mais ne mettez pas un pouce rouge, hein. C'est pas le moment de faire dans le communautarisme de ville. Soyons réunis autour d'un bon verre de thé et admirons ce gameplay Warzone ensemble. Bah, a priori, j'ai également réglé mes lags sur PC. Normalement, le gameplay est un peu plus beau et un peu moins laggy. Attends, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière, on dirait que je l'avais tournée... Enfin, pas celle-là, la dernière vidéo code. On dirait que je l'avais tournée au Dazzle, mon frère. Le Dazzle, pour ceux qui se rappellent pas, c'était le truc qui donnait du 360-480p sur MW2 avec des bandes noires. Noires. Tout le monde avait ça à l'époque, parce que ça coûtait 60€. Il y avait que les riches qui avaient le HDPVR pour proposer de la 720p, parce que ça coûtait 200 balles. Et oui, monsieur, je te parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais bon, après, faut pas trop que je vanne dessus. La dernière fois, j'ai dit que si t'as moins de 23-24 ans, tu pouvais avoir difficilement connu l'époque MW2 correctement. Il y a des types qui m'ont dit qu'ils sont nés en 2000, qui avaient 9 ans à l'époque de MW2. Ils m'ont dit ouais, c'est wesh, c'est pas parce que t'as fait 3 parties sur la PlayStation 3 de ton frère ou de ton cousin que t'as connu l'époque MW2. Ce qui se faisait sur YouTube, en privé, en classé. Oui, je suis un vieux con. Go buy. I'm gonna buy something. Then we can fight. Yes, 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 I just go buy something and we go to boom boom. Allez, monsieur! À terre, le chien! À terre, le chien, monsieur! Allez, donne-moi ta moula. Je me régale! Toi, t'es un frère, toi, Bartas. Toi, t'es un frère. Bon, il est marrant, ce petit mode pompé sniper. En fait, c'est sympa. Ils auraient pu appeler ce mode petite tub, grosse tub. T'as de quoi faire du corps à corps et du longue distance. Puis c'est tout. Bon, après, il y a le BR dedans, donc c'est un petit peu... C'est un petit peu consciencieux, tu vois. C'est un petit peu douteux. C'est comme les soirées au Macumba. Dans toutes les villes, il y a un putain de club qui s'appelle le Macumba. Bah, c'est douteux. Oh là 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 là, à terre, monsieur. À terre. Faut pas montrer son crâne à Zach. Aïe, 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 la frappe sur nos têtes. Bon, je l'ai mis à terre, mais par contre, ça risque d'être chiant à finir, ça. Hein. Do you want to rush them? Yeah, I know, I put one down. Ah, ok, I see him. Je le vois, là. Aïe, 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 il m'a vu. Des vrais duels de sniper! Oh, il est low. T'inquiète, je suis là, mon cousin. Fais confiance à Zach l'infirmière! Zach l'infirmier. Ça a commencé à m'imaginer avec des jartels et un petit... une petite seringue sexy, là. Non, 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 non. Hors de question de faire fantasmer mes abonnés. Bon, vas-y, viens, on se casse. On en a mis down 1, c'est comme un kill. Chaque down est une victoire à notre manière. Oh, c'était quoi ce bruit? Oh, dans le dos! Oh, dans le dos, au secours! Ils ont l'air de rusher. Ils ont l'air de rusher. Il y en a derrière nous aussi. Oh là là, la merde du siècle. Si je tire sur le gars derrière, on est fini, gros. Ils savent qu'on est là! Viens, on se casse, viens, on se casse. Viens, Angola, viens, viens, viens. On était entouré avec... On était entouré de gens, la bave aux lèvres à l'idée de nous niquer. Comme dans les soirées au Macumba, sa mère. Eh oui! Au sol, le chien. C'est mon kill, hein, rien à foutre.
Bon, faut savoir que dans ce mode, la zone avance toujours. Hein. C'est pour éviter à gens top de pouvoir rester trop sur les gens top. Allez, à terre la racaille! Oh merde! Oh, on est dans la merde, mon frère! Oh, le gamin! Oh! Allez. Je réanime, je suis sympa! Oh, c'est la merde de merde de merde de merde de merde, mon dieu! Ah, désolé, cousin, là, je peux pas t'aider! Allez, à terre, la racaille! Ah non! Ah non! De tous les côtés, c'est la merde! Allez, on saute en rien, peut-être avec un peu de chance, avec un peu de chance, avec un peu de... chance! Ce monde est cruel! Niveau 51 du pass de combat. Oh là là, mon dieu. Bon, et bah voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, ce petit mode, il est sympathique, mais je vous conseille quand même d'y jouer avec des potes, dans le sens où, vous l'avez vu, hein, j'ai pu mettre beaucoup plus d'ennemis à terre que d'en tuer et en finir. Ce qui, au final, peut se révéler assez frustrant. Alors qu'avec des potes, tu peux les finir correctement et mettre du bien. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 kills sur ce... Je crois que j'ai fait 3 ou 4 kills sur cette game, mais j'ai dû en down le double. Ce qui, en soi, révèle d'un coup de pas de chance. Si elle vous a plu, je vous demande de mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Et on se retrouve dans la semaine pour une autre vidéo. A plus.